une bonne classe pour Madame Marguerite. C'est une classe où règne un bon climat. Il l'a bien cherché, il l'a bien cherché, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Vous auriez vu ça, vous l'auriez vu là, je parie que vous auriez fait le même pas. Miaou, crache, Cicéron, Borgia. Pas, miaou, crache, Cicéron, Borgia. Je suis plus fort que toi, ou moi qui tue. Comme ça. Quand vous y serez dans l'autre monde, le général Voynitsev, saluez-le bien de ma part. Ah, il a bien cherché. Il a bien cherché. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Vous auriez vu ça. Vous l'auriez vu là. Je parie que vous auriez fait le même. De quel front se tenir ce fâcheux entretien? N'êtes-vous pas, Seigneur, votre maître? Et le sien? Nous verrons-vous toujours trembler sous sa tutelle, vivez, régnez pour vous. C'est trop régner pour elle. Il l'a bien cherché, il l'a bien cherché. De la jeunesse, il faisait fleur. Juste pour en jouir, juste pour son plaisir. Il ne mérite pas qu'on le pleure. Si je tiens de la guêpe, gare à mon aiguillon. J'en serai quitte pour l'arracher. Oui, si un imbécile sait où il se trouve. Qui ne sait où la guêpe porte son aiguillon? Au bout de son corsage? Au bout de ses lèvres. Les lèvres de qui? Peut-être les vôtres, si vous aviez un corps sage. Adieu. Un corps sage? Mes lèvres trouvent vite le vôtre. Allons, revenez, bonne Cato. Je suis un gentilhomme. C'est ce qu'on va voir. Vous auriez vu ça! Là, parie que vous auriez fait de même. Ça me fait tant peine, Torvald. Tu as toujours été si gentil avec moi. Mais je n'y peux rien, je ne t'aime plus. Tu peux savoir comment j'ai perdu ton amour? Oui, je peux. C'était ce soir. Quand le miracle n'a pas eu lieu, alors j'ai su que tu n'étais pas l'homme que je croyais. Sentez l'homme, l'homme, l'homme. Si t'en aimais une autre, viens avec moi chez Rosalind. Non, non, non! Te souffle de ma vie et ta Marianne. Elle peut de ses lèvres l'embraser ou le détruire. Ou je l'aurai. Ou je mourrai pour elle. Ils l'ont bien cherché. Ils l'ont bien cherché. En vérité, vous ne vous échapperez pas ainsi. Je vais vous exaspérer si je reste. Laissez-moi. Non, pas du tout. Ah, je vous trouve plus que gentille. On m'avait dit que vous étiez brusque, morose et hargneuse. Et je vois bien que ces récits étaient menteurs. Car tu es charmant, enjoué, plus que courtoise. Tu as la parole lente, mais suave comme une fleur de printemps. Tu ne sais pas faire l'amour, tu ne sais pas regarder de travers, ou te mordre la lèvre comme font les filles en colère. Mais tu accueilles tes soupirants avec douceur, avec un langage gracieux, caressant et affable. Pourquoi le monde prétend-il que Katharina est boiteuse? Ah, monde calomniateur! Katharina est droite et svelte comme la tige du poudrier. Elle est brune comme la noisette qui touche son amande. Ah, mais que je te vois marcher! Tu ne boites pas! Oh, imbécile! Bien aimé quand il l'a pris sur l'épaule, là. Les beaux casques. Bon. Bon. Miaou. Crash. Cicéron. Borgia. C'est vrai que c'est pour ce genre de moment que j'aime mon métier aussi. J'imagine. Ça me donne envie de reprendre. Bah vous devriez reprendre, hein. Vraiment. Je sais pas,
Je sens que le métier de régisseur, ça vous suffit pas. Mais donc c'est moi que... Oui. Oh mon Dieu. N'oublie pas, je n'osais pas vous le dire. Je n'osais pas vous le dire parce que j'ai l'air comme ça, entreprenant et hardi, mais au fond, je ne suis pas. Pleurez-moi comme ça. Ça vous fait donc de la peine, ce que je vous ai dit. Miquette. Miquette, pourquoi pleurez-vous comme ça? Mais parce que je suis contente. Quand on est content, on ne pleure pas, c'est absurde. Je suis si heureuse, si heureuse. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas. Quoi? C'est que je vous aime aussi. Oh mon Dieu. Vous ne pouvez pas pleurer, monsieur, vous ne pouvez pas pleurer. Vous. Parce que je suis content. Mademoiselle Miquette. Oh, monsieur Jourdain. Ah, tout de même, en voilà l'histoire. Oh, une telle histoire. Vous ne tenez rien, et puis... Oh, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Je vous aide. Follement. Il y a écrit follement sur la carte. Je voudrais qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ce que les choses et les personnes font les unes avec les autres, ça s'appelle le verbe. Il est interdit de faire quoi que ce soit sans passer par le verbe. C'est pas bien entre nous. Alors maintenant, c'est l'heure de la récréation. Cassez-vous et profitez-en pour réfléchir à votre enterrement. À tout à l'heure. En fait, comme Gunther a dit ce soir-là, c'est très moral comme histoire. Et une fois au lit, il m'a dit... Leslie, j'ai pour principe de jamais toucher une comédienne avant que tout soit en boîte. J'ai dit Gunther, pas besoin de se justifier. On est des professionnels. Mais est-ce que je peux te demander une chose? Est-ce que t'as été content de moi dans le rôle? Il m'a dit Leslie, si une comédienne est mauvaise, je veux pas coucher avec elle. C'est un artiste, Gunther. Il dit que ça va me rendre célèbre. Putain, il n'y a pas trois jours, j'ai failli rompre à cause de vous. Ah, de moi aussi? Oui. Si je vais être vous, avec votre face de carême. Oui, Mathias, pendant que je tenais le fil, là, j'ai réfléchi. Bon, je me suis dit, je veux quand même un très beau métier. Ah, ça. Un beau métier. Un métier de l'ombre. Un métier de l'ombre, mais un métier essentiel, hein, parce que sans nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil, ouais. Il n'y a pas de drap. Y'a pas de table, ouais. Y'a pas de micro non plus. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force. Non, merci. Il est bel homme, dit-on, et c'est presque tant pis. Tant pis, tant pis. Non, mais voilà une pensée bien hétéroclite. Une pensée de très bon sens. Volontiers, un bel homme est fat, je l'ai remarqué. Oui, il a tort d'être fat, mais il a raison d'être beau. On ajoute qu'il est bien fait, passe. Oui, toi, cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Père du jour. En fait, si je me marie jamais, moi, ce superflu-là sera mon nécessaire. Venge-toi! Punis-moi d'un oublié amour! Digne fils du héros qui t'a donné le jour, délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite! La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. Voilà mon cœur. C'est
là, que t'as moins de frapper. Impatient déjà d'expier son offense au devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe! Si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, si d'un sang trop vil ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Donne! Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Parzifae, j'entends de vos douleurs la cause méconnue. Faites ici vous chagrinez, blesse votre vue dangereusement, rattrapez elle. Vous vit que votre exil d'abord signale à son crédit, mais sa haine sur vous autrefois attaché, ou s'est évanoui ou s'est bien relâché. D'ailleurs, quel péril peut vous faire recourir une femme mourante et qui cherche à mourir? Faites voir à ta dame qu'elle s'obstine, la terre la sent en d'elle-même et toujours qu'elle éclaire. Peut-être contre vous former quelques dessins. Mais ça va être inimitié, n'est pas ce que je crains! Eh bien, bon, c'est un bonheur égal au nôtre, t'es trop Ferdinand, bien. Ferdinand! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Oh, ben, que veux-tu qu'il se passe? Mais où vas-tu? Je dois partir. Non, mais où donc? Je dois aller chez moi, là, parce que. Mais enfin, on avait bien dit que c'était la peine du vernissage! Alors, oui, mais il est tard, et demain, je me lève tôt, alors c'est pour ça que. Voilà. Non, tu peux pas nous faire ça! Et je suis désolé, mais je dois y aller. Tu n'as pas vu tout l'appartement? On t'a pas montré toutes nos belles choses? Tu n'as même pas vu Petit Pierre? Tu n'as pas apprécié les cloches? On comptait sur toi pour rester toute la nuit. Pour nous regarder faire l'amour? Tu peux pas être ingrasse, point! Voilà, vraiment, ne vous énervez pas, je dois y aller. Ferdinand, je pense que tu ne comprends pas. Tu peux pas nous laisser seuls ici, enfin, tu n'as rien compris. On a encore tellement de choses à dire. Reste, je t'en supplie, tu restes! Le décortiqueur de ta mante électrique, tu n'as même pas vu! Je vous remercie pour la soirée, merci. Mais tu n'es qu'un égoïste! Tu es un monstre! Tu es un monstre d'égoïsme! Tu n'es qu'un ingrat, un plouc! Tu nous as trahis! Tu nous trahis! Tu sais quoi? Foucault! Dégage! 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 Je sais quoi? Foucault, tu dis! Foucault! Foucault! Dégage! Mike, un peu de musique pour Ferdinand, qu'en dis-tu? Et pourquoi pas? Good. Really?